Donc, bonjour, moi c'est Jean-Paul de chez MyCiné. Donc aujourd'hui on est en Moselle chez Pierre et Myriam, chez qui on a réalisé une salle exceptionnelle à travers son design, vous allez voir, et surtout à travers son son très immersif en Euro 3D. C'est parti. Pierre et Myriam ont acheté cette maison il y a quelques mois et ont choisi spécifiquement cette maison parce qu'il y avait justement une pièce qui pouvait être dédiée à une salle de cinéma. Ils nous ont demandé aussi de pouvoir réutiliser leur matériel audio-vidéo pour l'installer dans leur future salle de cinéma. Donc notre bureau d'études a fait l'étude, on a pu réutiliser leur matériel audio-vidéo, à savoir les enceintes, l'ampli, le vidéoprojecteur. Sachez que nous sommes avant tout des fabricants de salles de cinéma et que pour nous, ça ne pose aucun problème de réutiliser le matériel audio-vidéo que les clients ont déjà. Pour Myriam, ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'est qu'il y a un design qui soit très très poussé et on l'a travaillé ensemble pour vraiment lui fabriquer une salle qui lui corresponde à 100%. Et donc là, on va vous faire découvrir le design très très unique de cette salle de cinéma. En termes de design, on a quand même une toute petite contrainte sur l'avant de la salle de cinéma, c'est qu'il faut être le plus sombre possible pour le contraste de l'image et donc par conséquent, le premier tiers est vraiment le plus sombre possible en tissu noir qui va absorber justement un maximum de luminosité. On a mis également donc trois spots sur l'avant qui sont dimmables. Sur les murs, donc à l'arrière, un traitement acoustique avec un tissu gris anthracite qui recouvre le tout. Une simèse qui fait tout le tour, qui est rétroéclairée avec des LED qui sont de couleur bleue. Dimmable également, dimmable, donc on peut régler la puissance de l'éclairage. On a fabriqué également une estrade sur mesure avec des nez de marche intégrés avec un éclairage RGB, donc une variation de couleur et une variation de puissance lumineuse également. On a derrière des niches qui intègrent en partie les enceintes surround. On a un meuble qui fait toute la largeur de la salle de cinéma dans lequel on a intégré le rack technique où on a tout le matériel audio-vidéo. Des petits passe-câbles pour tout ce qui est alimentation des bibelots qui sont posés sur le meuble. On a une prise de courant qui permet de charger en USB directement. On a un éclairage périphérique à LED qui est dimmable également. Vraiment, on peut créer toutes sortes d'ambiances lumineuses dans la salle. Un plafond textile acoustique transsonore qui intègre un ciel étoilé à base de fibres optiques composé d'à peu près 200 étoiles. C'était très important pour le client de pouvoir garder l'accès à cette fenêtre. Donc c'est une trappe sur charnière, acoustique et occultant bien sûr la fenêtre. Ces superbes fauteuils qui sont en simili-cuir, qui sont extrêmement confortables. Ils ont également la fonction massante, un confort exceptionnel pour regarder un film dans des très très bonnes conditions. On va passer maintenant au son, parce que croyez-moi, c'est vraiment un système son qui est exceptionnel, donc qui est composé de 15 enceintes en tout. Donc il y a des enceintes surround, comme vous voyez, qui sont murales, et il y a un système Euro 3D, donc qui est un système d'enceintes surround sur un deuxième plan, donc qui sont installés au plafond. Vous en voyez 4 plus un central. Le système son qui est utilisé dans cette salle est un système 15.2, donc en Euro 3D. L'Euro 3D, en gros, c'est un système quasiment équivalent à du Atmos qui comporte des enceintes surround en premier plan, mais également des enceintes surround en deuxième plan, donc qui sont intégrées ici dans le plafond et qui comportent également des enceintes en partie supérieure sur la partie avant, donc derrière, caché derrière l'écran. Donc on va vous montrer tout de suite ce qui se passe derrière l'écran, parce que derrière l'écran, ça vaut vraiment la peine qu'on regarde ça. Cette pièce comporte un certain nombre d'enceintes, je vous l'évoquais tout à l'heure, 15 enceintes en tout, mais sur l'avant spécifiquement, il y a donc deux enceintes frontales droite et gauche, plus la grosse centrale. On a une centrale sur le deuxième plan qui correspond à l'Euro 3D et deux enceintes frontales droite et gauche sur la partie haute également qui correspondent à l'Euro 3D. On a un gros système
acoustique, donc absorbant sur l'arrière de la pièce. Et on termine avec deux très gros caissons de basse qui permettent d'avoir des basses de très grande qualité, à la fois très soutenues et très puissantes et très précises. Donc on va parler d'une chose qui est très importante aussi, c'est l'écran de vidéoprojection. L'écran de vidéoprojection là, il a 3,30 m de base, il est transsonore, ça veut dire que le son colle parfaitement à l'image. Donc bien évidemment, pour gérer une salle comme celle-ci, il faut un système domotique. Et donc là, on a installé un système domotique Control 4, que vous allez voir tout de suite, donc avec lequel on gère absolument l'ensemble de la salle de cinéma. Donc on peut gérer à la fois tous les appareils, son éclairage, donc tout type d'éclairage, où on peut gérer ben, les spots en variation, on peut gérer les marches en variation, on peut gérer le niveau de rouge, le niveau de vert, le niveau de bleu, enfin vraiment créer une ambiance totalement personnalisée et totalement sur mesure. Et c'est ce que le client cherchait vraiment. Probablement déjà vu, mais moi personnellement je suis relativement fan de cette déco, forcément entre Terminator et Star Wars, moi je trouve ça s'adapte parfaitement à cette petite pièce. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, cette salle a vraiment un rendu totalement unique et a été fabriquée 100% sur mesure au goût du client. Et croyez-moi, on a calibré la salle là récemment et ça envoie du très très lourd au niveau son et c'est extrêmement immersif et c'est vraiment une ambiance très bluffante. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.